Bonjour, je suis Anne, je donne des cours de tricot à la boutique Les Louiselles. Aujourd'hui, je vous parle du montage à deux aiguilles. Le montage à deux aiguilles sert en particulier quand on a un nombre très important de mailles à monter, dans le cas d'un châle par exemple. Il a également la particularité d'être un montage très souple, ce qui permet de bien dessiner les motifs de dentelle. Contrairement au montage classique, on ne va pas monter nos mailles sur le fil de réserve, mais directement sur le fil de la pelote. On démarre par le nœud coulant traditionnel qu'on vient placer sur la première aiguille. Puis, on prend la deuxième aiguille et on démarre. On tricote la maille comme une maille en droit. On s'arrête à cette étape. On ne lâche pas la maille de l'aiguille gauche. Et on vient placer la maille de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. Voilà, nous avons deux mailles. On recommence pour les suivantes. Comme pour une maille en droit, on vient placer la boucle de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. C'est ce simple geste que l'on répète jusqu'à obtenir le nombre de mailles nécessaires pour l'ouvrage. Voilà, c'est tout simple. Vous savez maintenant faire un montage à deux aiguilles.